Bonjour, aujourd'hui on va préparer une tarte soleil qui réchauffera de ses beaux rayons toute la maison. Allez, je te laisse regarder les ingrédients et on se retrouve tout de suite. Le principe de la tarte soleil est très simple. Deux pâtes feuilletées, entre les deux la garniture de ton choix, salée ou sucrée, ça c'est toi qui choisis. Et ensuite, on va simplement venir couper des rayons et les torsader. Donc, nous on va déjà commencer par la garniture puisqu'on va concasser les cacahuètes. Je les mets dans un petit sac hermétique, je le ferme. Je peux aussi utiliser le fond d'un verre. Je mets la pâte feuilletée sur ma plaque de cuisson. Et je vais maintenant m'occuper de la garniture. J'étale le beurre de cacahuète partout, mais je vais laisser 2 cm de bord nu. Ça me permettra de bien coller la deuxième pâte que je vais mettre au-dessus. Je saupoudre des cacahuètes concassées et les pépites de chocolat. On va pouvoir recouvrir de la deuxième pâte, mais avant, je vais humidifier les bords, tu sais, ce qu'on a laissé nu, pour permettre à la deuxième pâte d'adhérer à la première. Et je vais souder les bords en appuyant. Je vais délayer le jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et en badigeonner la pâte. Là, il faut avoir le compas dans l'œil. On va poser un verre au milieu. Alors, je vais déjà couper en 4. Je vais maintenant découper chaque quart en 3 et ensuite chaque petite partie obtenue en 2. Et à la fin, on aura 24 parts. Si la pâte commence à être trop molle et que tu as du mal à la découper ou alors après à la torsader, n'hésite pas à la mettre un petit peu au réfrigérateur. Il faut juste faire attention à ne pas détacher la base. Il faut qu'elle reste bien collée au reste de la pâte. Voilà. Fais bien attention à tourner toutes les parts dans le même sens. Je retire le verre et j'enfourne pour 30 à 40 minutes de cuisson. Et voilà, le soleil est prêt. On va se régaler. Tiède, c'est exquis. Froid aussi. Allez, tu viens l'entamer avec moi? Et surtout, à très vite dans Recette Roulette.